Mesdames et messieurs, bonsoir. Conakry, 6 janvier, voici les titres du journal. Le ministre des Télécommunications promet la relance de la Sotelgui en 2017. Moustapha Mami Diaby a annoncé la nouvelle aux travailleurs du département ce matin. Secteur de la pêche, le projet Goamer est très apprécié par les associations de femmes marieuses fumeuses de poissons. Il appuie ces dernières dans différents domaines, notamment la formation et l'apprentissage. Sport foot, l'ASFAG en route pour la Coupe du Monde au Sultanat d'Oman. Avant son départ, l'équipe a reçu l'étendard des mains de la hiérarchie militaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, ce décret D-2017-03-PRG-SGG portant nomination de cadre au ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique. Le président de la République décrète, article 1er, les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller juridique, M. Kafal Makanera, confirmé. Conseiller chargé de mission, M. Abdoulaye Diallo, confirmé. Conseiller chargé des questions de culture, M. Mandian Traoré, précédemment directeur du bureau de stratégie et de développement. Conseiller chargé des questions de sport, Dr. Namori Touré, précédemment directeur général de la médecine des sports. Inspecteur général, Dr. Karif Asamoura, précédemment inspecteur général du ministère des sports. Inspecteur général adjoint, M. Mbemba Kamara, précédemment inspecteur général du ministère de la culture. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Kernosa Douba, administrateur civil en service à la Direction nationale de la culture. Directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Souleymane Samadouno, administrateur civil en service à la Direction nationale de la culture. Directeur national de la culture, M. Jean-Baptiste Williams, journaliste culturel confirmé. Directeur national adjoint de la culture, M. Ansoumane Guessira Kondé, confirmé. Directeur national du livre et de la lecture publique, M. Idrissa Camara, confirmé. Directeur national adjoint du livre et de la lecture publique, M. Hamza Kaba, administrateur civil. Directeur national du patrimoine historique, M. Aboubakar Sidiki Kondé, précédemment directeur national adjoint du patrimoine historique. Directeur national adjoint du patrimoine historique, M. Ibrahim Fall, expert en préservation du patrimoine historique. Directeur national des sports et des activités physiques, M. Lansiné Kabassan Keïta, précédemment directeur national adjoint des sports et activités physiques. Directeur national adjoint des sports et des activités physiques, M. Abou Cissé, précédemment directeur du Fonds du développement des sports. Directeur général de la Bibliothèque nationale, M. Mohamed Kamara, précédemment directeur général de l'Office national du cinéma. Directeur général adjoint de la Bibliothèque nationale, Madame Thérèse Silla, précédemment directrice nationale des infrastructures culturelles. Directeur général de la médecine sportive, Dr. Mermoz Manimou, médecin sportif. Directeur général adjoint de la médecine sportive, Dr. Claude Iranduno, confirmé. Directeur général du musée national, Madame Kadesek, confirmé. Directeur général adjoint du musée national, M. Moulukou Souleymane Fofana, gestionnaire administrateur civil. Directrice nationale du service des infrastructures culturelles et sportives, Mme Dieng Kadiatou Doumbouya, précédemment directrice générale du service des infrastructures sportives. Directeur général adjoint du service des infrastructures culturelles et sportives, M. Mamadi Kourouma, ingénieur en génie civil. Directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle, Mme Sayoum Bamba Kamara, journaliste conseillère culturelle. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne de spectacle, M. Mori Traoré, spécialiste en communication. Directeur général du Bureau guinéen des droits d'auteur, M. Abbas Bangoura, confirmé. Directeur général adjoint du Bureau guinéen des droits d'auteur, M. Alassane Soare Mara, confirmé. Directeur général du Centre international de percussion, M. Amine Touré, confirmé. Directeur général adjoint du Centre international de percussion, Mme Boiro Guéné Kondé, confirmé. Directrice générale de l'Office du cinéma et de la vidéo et de la photographie, Mme Mariam Kamara, point focal de la panafricaine du cinéma. Directeur général adjoint de l'Office du cinéma et de la vidéo et de la photographie, M. Noël Lama, cinéaste. Directeur général du Centre de lecture publique et de l'animation culturelle, M. Saifoulaye Telioual Diallo, précédemment directeur général du FODAC.
directeur général adjoint du Centre de lecture publique et de l'animation culturelle. Monsieur Abou Damaro Camara, spécialiste en lecture publique. Directeur général du Fonds de développement des arts et de la culture. Monsieur Malik Kébé, opérateur culturel en service au ministère de la Culture. Directeur général adjoint du Fonds de développement des arts et de la culture. Madame Kadiatou Adama Diallo, précédemment directrice du BASD du ministère des Sports. Directeur général du Fonds d'appui au développement des sports, FADES. Monsieur Sekou Mohamed Kondé, précédemment inspecteur général de la jeunesse. Directrice générale adjointe du Fonds d'appui au développement des sports, Madame Tigidan Kessidibé, précédemment en service à l'Agence guinéenne de spectacle. Directeur général de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, Monsieur Mamadi Kaba, consultant en sport. Directeur général adjoint de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et des sports, Dr Jean-Pierre Kamano, médecin sportif. Directrice générale adjointe du Centre culturel franco-guinéen, Madame Boiro Marie Sompare, confirmée. Directeur général du complexe sportif du 28 septembre, Monsieur Ibrahima Sori Keita, confirmé. Directeur général adjoint du complexe sportif du 28 septembre, Monsieur Lafi Nabé, précédemment chef service communication, archives et documentation. Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 6 janvier 2017, professeur Alpha Condé. 2017 commence sous de nouvelles auspices pour le département des télécommunications. La Sotelgui va bientôt reprendre ses activités dans un environnement assez concurrentiel. L'annonce a été faite par le ministre Mustapha Mami Diaby. C'était au cours d'une rencontre d'échange avec les travailleurs de son département. Reportage Kern Ousmane Diallo. L'année 2017 va-t-elle être celle qui connaîtra la relance de la Sotelgui? Le ministre des télécommunications est rassurant. L'entreprise, restée longtemps non fonctionnelle, va enfin sortir de l'ornière. Bien entendu, en 2017, nous allons procéder à la relance effective de la Sotelgui. Nous avons fini le travail d'audit, ce qui nous permet de savoir exactement ce que nous avons au niveau de cette entreprise, ce qui est fait, ce qui reste à faire. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur la façon dont on doit faire les travaux qui sont inscrits dans les priorités à court et moyen terme. En dehors du projet de relance de la Sotelgui, 2017 s'annonce comme une année déterminante dans le secteur des télécommunications en Guinée. Les structures créées en 2016 comme l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et le Conseil national des technologies de l'information et de la communication vont entrer dans une phase active. Pour renforcer la connexion Internet, les travaux de construction du backbone vont être achevés cette année. Aujourd'hui, tous les gros villages de la Guinée ont accès au téléphone. Et tous les gros villages de la Guinée également ont accès à l'Internet. Seulement, ce que nous allons demander, c'est encore de doubler d'ardeur, d'ardeur pour que le coût de la connexion soit revu à la baisse. Pour que tous les Guinéens aient accès à l'Internet. Secteur transversal, celui des technologies de l'information et de la communication est en plein essor en Guinée. La matérialisation des différents projets annoncés pour 2017 devrait contribuer au développement du pays. Dans le même ordre d'idées, le gouverneur de la Banque centrale a fait le point des activités de l'institution bancaire mère de la République de Guinée. Dr Lucien Inabé a ainsi dressé le bilan et annoncé d'heureuses perspectives pour 2017. Compte rendu, Boubacar Ba. Une cérémonie symbolique, mais une cérémonie qui a permis au système bancaire des assurances et de la microfinance de dresser un bilan exhaustif de l'année 2016 et de jeter un regard vers l'exercice 2017, année d'espoir pour le secteur privé, longtemps frappé par des facteurs endogènes et exogènes. Ils ont loué les efforts consentis dans la stabilité macroéconomique avec le Fonds monétaire, le développement de la monétique et le renforcement du système bancaire. L'APB apprécie également la finalisation et la validation d'une série de tests juridiques fixant le cadre réglementaire
des systèmes de télécompensation et d'entreprise. L'UNCENI Nabe s'est surtout appesantie sur les perspectives d'avenir pour l'année 2017. À ce niveau, de grandes réformes sont annoncées. L'informatisation du crédit, la création d'une salle de marché interbancaire de change, la gestion de la monnaie fiduciaire, la mise en place d'une assurance de dépôt en cas de faillite bancaire et tant d'autres. Nous comptons renforcer notre implantation à l'intérieur du pays pour précéder et suivre l'inclusion financière. Nous sommes déjà dans les chefs-lieux de région administrative, excepté Farana. On va construire l'agence de Mamou en 2017. On va reconstruire l'agence de Cancan en 2017 et chercher un terrain à Farana pour que, dans les deux ans à venir, nous couvrions toutes les capitales régionales, de sorte à encourager les banques à nous suivre. Maintenant, vulgariser la culture d'assurance, à rendre les assurances obligatoire effective dans le pays et ainsi créer des nouvelles possibilités de financement pour l'économie guinéenne. En date, l'inflation est maîtrisée, le système bancaire est assaini, reste à développer et à créer une bourse des valeurs et les infrastructures des marchés financiers avec les paiements électroniques. Autre aspect de l'actualité nationale, le projet Top 10 vient d'être mis en place pour servir de stratégie d'attraction et de suivi des projets des Guinéens de l'étranger. Il devrait permettre l'accès aux informations dans le système douanier en vue d'accompagner et de faciliter l'investissement des Guinéens de la diaspora. Reportage Algasimouba. Plus d'inquiétude pour les expatriés guinéens porteurs de projets de création d'entreprises. Avec le projet Top 10, ils ont la possibilité de rentrer au pays et d'investir plus facilement. À travers ce programme, Lamine So a été recruté comme consultant afin d'élaborer une stratégie d'attraction, d'accompagnement et de suivi des projets des Guinéens de l'étranger. Il faut que les Guinéens aussi de l'étranger se sentent Guinéens à part entière comme ils le sont et n'aient pas le sentiment d'être exclus de leur... Du processus de développement de la Guinée. Donc il faut arriver à conforter ce dialogue-là entre les Guinéens de l'étranger et leur pays. Le programme Top 10 est un dispositif mis en place par le gouvernement guinéen à travers l'APIP. Une réponse à une inquiétude des Guinéens de la diaspora qui s'interrogeaient sur les moyens pour eux d'investir dans leur patrie. Le projet Top 10 est un projet tremplin, c'est un projet qui est là entre le gouvernement guinéen, l'expert Top 10 qui est un guinéen et les partenaires techniques et financiers. Donc là le processus c'est que la structure bénéficiaire qui est une structure de l'administration publique comme la PIP transmet des thèmes de référence de mission relatifs à des compétences qu'ils veulent valoriser au sein de leur structure. Ils le transmettent au Top 10. Le Top 10 est là comme tremplin pour rechercher ces cadres au niveau de la diaspora et au niveau, bien sûr, local. C'est le début d'un process entre le ministère des Affaires étrangères et la PIP dans le cadre de l'appui de l'encadrement des investissements des Guinéens de la diaspora vers la République de Guinée. Cet accompagnement est une manière de favoriser l'accès aux informations nécessaires, mais aussi d'aider les porteurs de projets d'investissement de la diaspora dans leur réalisation. Depuis quelques années, certaines rues de la capitale et celles de l'intérieur du pays sont éclairées par des lampadaires solaires, 30 000 au total. La société ADS vient de lancer la deuxième phase de l'opération de maintenance dans la région de Cancan. Déjà, l'opération a touché une centaine de panneaux solaires dans cette région. Reportage Guénabou Barry. C'est parti pour la deuxième phase de maintenance des lampadaires solaires à l'intérieur du pays. L'opération est lancée dans la région de Cancan. La société ADS qui avait installé ces panneaux assure leur maintenance. Les lampadaires ont une durée de vie de plus de 30 ans. La population n'a qu'à comprendre que, de façon générale, ces lampadaires n'ont aucun problème. S'il y a des problèmes techniques, au lieu de faire venir des électriciens pour venir pirater les installations solaires, ça c'est les photovoltaïques. Ils doivent saisir l'autorité sur place qui va informer l'entreprise et puis pour faire la maintenance, pour mettre les lampadaires au point. Après leur installation, 868 panneaux étaient en panne dans la région de Cancan. La situation a longtemps inquiété les bénéficiaires. Avec ce passage des équipes de maintenance, la joie est revenue.
Il y a eu un certain moment que pour moi, chez moi ici, les lampadaires, il n'y avait que 13 qui étaient en panne, qui ne s'éclairaient pas. Mais hier, j'ai vu la mission, la société qui est venue pour dépanner. Moi-même, j'étais avec eux, on est resté la nuit jusqu'à 3 heures de la nuit. Les batteries de ces lampadaires photovoltaïques ont une durée de vie de 5 ans. Les 7000 premiers lampadaires installés tendent vers la fin de leur période d'autonomisation. Si les batteries ne sont pas renouvelées à temps, ces lampadaires cesseront de fonctionner. Évoluant le long du littoral, le projet Guameur est aujourd'hui apprécié par les associations de femmes marieuses et fumeuses de poissons. Il appuie ces dernières dans de nombreux domaines, notamment la formation, l'apprentissage, mais aussi l'hygiène dans le secteur de la pêche. Le projet consiste à valoriser les produits locaux, une façon d'encourager ces groupements féminins. Gare Diallo. En 2012, le projet Goût Amer poursuit son appui aux communautés du littoral. En plus de l'amélioration de la gouvernance dans le secteur de la pêche, de nombreuses activités ont été réalisées au bénéfice des femmes évoluant dans l'industrie du poisson. L'amélioration des pratiques hygiéniques est l'un des principaux objectifs du projet. L'activité qu'on a eu à mener avec le projet Goût Amer, c'est la sensibilisation, la formation et la distribution des bâches pour le débarquement du poisson, pour que les femmes utilisent ces bâches afin de ne pas mettre le poisson à terre, pour protéger l'hygiène du poisson. Évoluant dans plusieurs pays côtiers de la sous-région, d'autres opérations sont déjà prévues pour la nouvelle année. Nous avons en vue la construction de deux chambres froides au marché de Anta et au marché de Yimbaya à Dubreka pour améliorer les conditions de vente de produits de pêche avec les marieuses de ces différentes localités. Et nous avons, en 2017, nous avons en vue de construire des fours solaires, 10 fours solaires qu'on va installer au niveau de 10 débarcadères du littoral pour améliorer les conditions de conservation des produits de pêche, les conditions de travail des femmes fumeuses de ces produits, pour diminuer l'effet du feu sur ces femmes-là, parce que là, le feu a des effets vraiment néfastes sur le corps humain. Les côtes ouest africaines sont considérées comme les plus poissonneuses au monde. Le projet Goût Amer entend contribuer à faire de la pêche artisanale ouest africaine la mieux structurée du continent. Retour à Cancan, précisément à Saint-Képhara, où la mare de Saint-Ké fait l'objet de nombreuses agressions du fait de l'action de l'homme. Vous allez le constater, elle est aujourd'hui menacée de disparition si l'on y prend garde. Reportage Mohamed Alpha Baldé. Le quartier Saint-Képhara, dans la commune urbaine de Cancan. La mare de Saint-Ké est sur le point de disparaître. L'érosion due en grande partie à la forte pression humaine aux alentours semble conduire cette mare et toute sa biodiversité à une catastrophe écologique. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre situation. Les menuisiers viennent s'installer à côté de la mare. Les menuisiers, les gens qui travaillent et tout ce qui viennent s'installer progressivement. Et si des précautions ne sont pas prises, avec l'arrivée de ces hommes qui travaillent avec du bois, la mare va cesser. Comme dans plusieurs régions du pays, la dégradation de l'environnement paraît inarrêtable. Cette triste réalité inquiète le Centre de recherche environnementale de la Haute-Guinée, qui semble prêcher dans le désert. La mare va disparaître dans le symbole, hydrologique de la ville de Cancan. Cancan va être dépossédé de cette mare. Nous sommes dans cette bataille. Expliquez aux populations, aux paysans, aux habitants qui viennent s'installer au bord de cette mare, l'importance écologique de la mare et pour qu'ils comprennent que sauver cette mare, c'est sauver sa propre vie. Comme la mare de Saint-Képhara, aujourd'hui l'existence de nombreuses mares ne tient qu'à un fil.
Sans mesures de restauration adéquates, elles seront plusieurs à disparaître dans les prochaines années. De Cancan, cap sur Farana, où le gouvernement vient de débloquer 900 millions de nos francs pour la relance du projet Eau pour tous dans le 140. La ville a également bénéficié d'un groupe électrogène et des pompes pour la station de traitement d'eau. Ces équipements ont été installés par la SEG. Le point avec Moussa Bangoura, Silati Kourouma. C'est un ouf de soulagement pour la population de Farana. Elles viennent de bénéficier d'un groupe électrogène de 250 kVA. Un transformateur et des pompes pour la station de pompage et de traitement d'eau du centre-ville. L'installation de ces nouveaux équipements va permettre à la Société des eaux de Guinée, SEG, d'améliorer la desserte en eau potable. Il y avait un problème énergétique, mais très heureusement, l'EDG a fortement appuyé la SEG de Farana pour ne pas qu'il y ait une interruption totale au niveau de la distribution. Bien que la distribution se fasse de manière minimale, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes venus avec un nouveau groupe pour appuyer l'effort déjà de nos collaborateurs ici à Farana. Les bénéficiaires remercient le gouvernement pour ce geste hautement significatif. L'approvisionnement des citoyens en eau potable permet de sauver des millions de vies dans la cité. Grâce au président de la République, grâce au gouvernement, grâce à tous les services confondus, aujourd'hui on a un groupe de 250 kVA, on a un transfert de 500 kVA, c'est ça, hein? C'est ça. Et nous avons vraiment des réservoirs extraordinaires de cumul d'eau pour essayer qu'à partir d'aujourd'hui, s'il plaît à Dieu, Farana aura de l'eau. Plus de 900 millions de francs guinéens ont été injectés pour l'installation et la maintenance de ces matériels. Pour ce projet, la Direction générale des eaux de Guinée envisage d'intervenir partout où le besoin se fait sentir en matière d'eau potable dans le pays. Dossier santé avec la tenue de la première réunion du comité de pilotage du projet jumelage hygiène hospitalière dénommé Projet Twin. Il a vu le jour au moment de la gestion de l'épidémie Ebola. Piloté par Expertise France, le projet a déjà réalisé plusieurs actions sur le terrain. Nous explique Tianoma Roufba, Bernard Tonguino. Après l'épidémie d'Ebola, le renforcement des capacités du système de santé guinéen devient une priorité. Parmi les objectifs fixés, l'hygiène et la sécurité des patients et des soignants. Une idée développée par le projet jumelage hygiène hospitalière. C'est à la faveur de cette première réunion avec les cadres du ministère de la Santé. Ces assises entre agents de santé et partenaires techniques visent l'élaboration des stratégies pour des structures sanitaires propres. C'est un projet qui est né suite à la crise Ebola en 2015 sur demande des ministères de la Santé de la Guinée, également du Libéria et du ministère des Affaires étrangères, suite au constat fait que les structures de santé et les hôpitaux principalement avaient été fortement fragilisés par la crise Ebola, que les personnels soignants étaient en première ligne, étaient à la fois victimes et également vecteurs de transmission du virus et qu'il fallait faire un travail d'abord sur une phase d'urgence pour améliorer les conditions d'hygiène et ensuite sur une phase de déploiement du projet, d'aller vers des renforcements de compétences, de travailler avec les comités d'hygiène dans les structures de santé. L'hygiène hospitalière, on sait, c'est quelque chose de continu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on le découvre et ce n'est pas demain qu'on va le résoudre parce que c'est en continu un effort qu'il faut faire à tous les niveaux. On a dit, ça commence par les techniciens de surface, ça va aussi jusqu'au chirurgien qui doit faire une bonne prévention des infections, mais c'est aussi aux usagers qui doivent avoir des comportements au niveau de l'hôpital, ils ont des droits mais ils ont aussi des devoirs. La formation des hygiénistes dans les établissements sanitaires est aujourd'hui perçue comme un coup de pouce dans l'atteinte des objectifs du ministère de la Santé. Un projet qui doit toucher toutes les structures sanitaires du pays. Que ce projet-là arrive aujourd'hui touche la quintessence même de la survie de ces structures sanitaires. C'est pourquoi personnellement je m'en réjouis. Parce qu'un projet qui s'intitule « Projet Twing pour l'hygiène hospitalière dans nos structures » est un projet à saluer. Des recommandations pour l'amélioration de la profession d'hygiéniste ont été formulées par les différents partis. Parmi elles, le renforcement de la formation du personnel et du statut des hygiénistes en Guinée.
Par ailleurs, depuis 3 jours, des prestataires de santé sont dans les campus universitaires de Conakry. Ils entendent sensibiliser les étudiants sur les techniques de prévention des maladies sexuellement transmissibles. C'est un projet initié par le département de la santé. Il consiste à intégrer la santé reproductive des adolescents dans les centres médicaux des universités guinéennes. On en sait plus avec Sam Maratondo. La santé reproductive, un sujet moins connu et rarement abordé par les étudiants. Pour permettre aux jeunes d'éviter certaines maladies, surtout celles sexuellement transmissibles, les prestataires de soins de l'infirmerie de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia et les cadres de la direction de la santé scolaire renforcent leurs connaissances. Cette intégration, c'est pour contribuer d'abord à l'amélioration de la santé des adolescents et des jeunes. Donc, pour cela, il faut renforcer les compétences des prestataires qui travaillent dans ces infirmeries pour qu'ils puissent prendre en charge de manière très efficace les problèmes de santé des jeunes qui se présentent dans leur structure. Lors de cette formation, on nous a appris comment recevoir des étudiants dans nos structures sanitaires, on nous a appris comment il faut prendre en charge les IST, les infections sexuellement transmissibles. Vous savez que les étudiants, le plus souvent, ne portent pas de préservatifs. Deuxième bénéficiaire de ce projet, l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Depuis 3 jours, les prestataires de services du centre médical du campus apprennent eux aussi les techniques d'intégration de la santé reproductive en milieu scolaire. Des connaissances qu'ils comptent désormais partager avec l'ensemble des étudiants. Après cette formation, je vais mettre une stratégie en place, c'est-à-dire de faire le porte-à-porte, d'aller de classe en classe pour sensibiliser les étudiants, pour leur montrer qu'il y a un centre qui existe à Gamal et qui doit s'occuper de leurs problèmes. C'est-à-dire le centre médical est là pour eux. Impliquer les jeunes dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles est l'objectif que s'est fixé le département de la santé. Un combat qu'ils prétendent mener par l'intégration de ces projets au sein de toutes les institutions d'enseignement supérieur du pays. Dans l'actualité également, l'Institution nationale indépendante des droits humains présente quelques articles de la Constitution en langue nationale. Cet exercice vise à mieux informer les populations locales sur leurs droits et devoirs. À Mamou, les responsables à tous les niveaux s'engagent à vulgariser ce document. Reportage Abdoulaye Diallo. En partenariat avec le Centre européen d'appui électoral, l'Union européenne et le gouvernement guinéen, l'Institution nationale indépendante des droits humains a réuni à Mamou les autorités, les services de sécurité et de défense, les confessions religieuses et la société civile. Objectif, impliquer ces principaux acteurs dans la vulgarisation des extraits de la Constitution guinéenne relatifs aux droits de l'homme dans nos différentes langues nationales à travers les différentes collectivités de la région de Mamou. Ces extraits vont permettre aux citoyens de connaître ses droits, ses devoirs, si on lui fait ci ou ça, est-ce que celui qui le fait a le droit ou n'a pas le droit. Lui-même, il va avoir ses limites, ses prérogatives et savoir vraiment se comporter en tant que citoyen. Publié en 10 pages, cet ouvrage contient 26 articles traduits en langue nationale. Les articles 5 et 8, par exemple, de la Constitution guinéenne de 2010, mettent en exergue la protection et la promotion des droits humains, d'où la détermination des religieux à s'impliquer dans la sensibilisation des citoyens. Nous comptons faire des correspondances adressées aux livres sous-préfectorales qui vont démultiplier dans les mosquées. Mais il faut un minimum de moyens. Dans un exposé, le commissaire Oumar Kissé a dépeint la situation des droits de l'homme en Guinée. Le 5e numéro du bulletin consacré à la population et au développement a été officiellement lancé ce vendredi à Conakry. Ce bulletin de 20 pages est une synthèse des activités réalisées par le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le document passe en revue les questions liées notamment à la violence basée sur le genre. Maïmouna Bella Diallo a parcouru quelques pages pour nous. Ce document de 20 pages est une synthèse des activités réalisées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la population le 11 juillet dernier. Une journée qui avait pour thème « Investir dans les adolescentes ». Le bulletin de population et développement se veut une tribune de discussion sur les conclusions des travaux de recherche
des initiatives politiques, des résultats et des actions, des activités menées à la base en matière de population et développement. Il a pour objectif d'améliorer les connaissances sur les questions de population en vue d'une prise en compte des variables démographiques dans les projets et programmes de développement socio-économique de notre pays. C'est un document qui va aider à la gouvernance. C'est des informations qui sont là, qui peuvent permettre aux planificateurs, aux managers, aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants même, de s'informer sur la statistique démographique et sociale actuelle de notre pays. Les questions abordées dans ce document constituent un bréviaire pour les lecteurs de s'engager dans la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles ou encore le mariage précoce. Selon le document, 17 cas de viol ont été recensés en Guinée en 2015 chez les jeunes filles dont l'âge varie entre 5 et 16 ans, contre 12 cas chez les jeunes filles de 16 à 18 ans en 2016. Les résultats de ces enquêtes permettent d'apprécier le travail accompli par la Direction nationale Population et Développement du ministère du Plan. Je l'ai apprécié à sa juste valeur, mais j'ai demandé au rédacteur qui produit ce rapport de tenir compte éventuellement de certaines variables telles que les données désagrégées, non seulement par sexe, mais aussi de rapprocher certaines directions techniques au niveau de chez nous, notamment la direction générale des centres d'autonomisation pour les femmes. La mise en application du contenu de ce bulletin par les différents acteurs pourrait permettre de réduire les violences basées sur le genre en Guinée. Le grand bazar de Conakry se poursuit du côté du Palais du Peuple. Plus de 10 pays participent à cette exposition avec le post-Ebola. La Guinée renoue avec les échanges économiques. Reportage Alpha Yaya Diallo. Le grand bazar de Conakry, qui a débuté le 20 décembre dernier, se poursuit au Palais du Peuple. Ce grand centre d'exposition de vente des produits est visité par le ministre du Commerce. Le grand bazar de Conakry garde encore son secret de découverte de talent et d'ingéniosité de l'artisanat de tous les pays qui participent à l'exposition. Le ministre du Commerce était venu justement à cette découverte de talent. Il faut commencer par remercier très sincèrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a eu l'initiative d'inviter des investisseurs à venir réaliser une telle œuvre. Vous savez que c'est, il n'y a pas pareil dans la sous-région. Maintenant, j'interpelle la population, surtout nos mamans, nos sœurs, d'observer un peu de patience et d'accalmie. Faire en sorte qu'il y ait la quiétude et pour que les activités puissent reprendre au niveau des hangars. L'artisanat iranien avec ses belles perles, les tisserands burkinabés et maliens ont tous répondu à l'appel de CIEPEX à travers leurs produits respectifs. Depuis maintenant 15 ans, on n'a pas une foire qui a enregistré autant de pays étrangers. Surtout, il faut noter qu'on a enregistré le retour des pays de Moyen-Orient comme l'Iran, le Pakistan, l'Égypte. C'est très intéressant qu'on souligne cette particularité, mais aussi on a l'impression que la Guinée est en train de revenir, de se réveiller après l'épidémie à virus Ebola qui a secoué notre pays les deux dernières années. Dans les galeries des électroménagers, la marque française Beko, avec ses cuisinières, réfrigérateurs, écrans télé et autres engins ont été visités par le ministre du Commerce. Les engins agricoles et ses outillages en vente attendent la clientèle. Un reportage de Alpha Yaya Silla. Enfin, pour boucler ce journal, l'association sportive des forces armées de Guinée, ASFAG, en route pour la Coupe du monde militaire. La compétition se déroule cette année au Sultanat d'Oman. Cette deuxième édition connaîtra la participation de 16 pays. Avant son départ, l'équipe a reçu l'étendard des mains de la hiérarchie militaire. Reportage, sergent-chef Lamine Sana Camara.
L'association sportive des forces armées de Guinée s'apprête à participer à la deuxième édition de la Coupe du monde militaire de football à Muscat, au Sultanat d'Oman. Ainsi, dès le 13 janvier prochain, la Guinée en découdra avec le pays organisateur. Cette cérémonie de remise de l'étendard national se situe dans cette optique. Vu les conditions et le niveau de préparation de l'équipe, encadreurs et joueurs se disent prêts à porter haut les couleurs nationales. On est là motivés et on espère bien que l'ASFAC cette année, avec cette compétition à Oman, on ferait quelque chose, Inch'Allah. Permettez-moi, monsieur le directeur du cabinet, représentant du ministre d'État à la Défense nationale, de vous rassurer notre détermination et la détermination de nos joueurs devant prendre part à cette compétition internationale militaire, compte tenu de la qualité des préparatifs rendus possibles grâce au soutien matériel et financier des autorités militaires en général et en particulier le chef-d'état-major général des armées. 16 nations participent à cette compétition de 2017. L'Afrique est représentée par 4 pays, dont l'Algérie, l'Égypte, le Mali et la Guinée. Notre pays évoluera dans la poule A en compagnie de la France, le Bahreïn et le pays hôte. La riche expérience sportive de la Guinée, les compétences individuelles et collectives qui vous caractérisent et la discipline de notre grande institution, les forces armées guinéennes, devront vous permettre d'obtenir un excellent palmarès afin de mériter l'honneur qui nous est fait de jouer le premier match de cette compétition avec le pays frère organisateur. La Coupe du monde militaire de football est organisée tous les 2 ans par le Conseil international du sport militaire CISM. Elle oppose pacifiquement les armées du monde dans l'amitié, la fraternité et la cohésion, d'où le slogan « Amitié par le sport ». A noter que la première édition a eu lieu en 2013 à Bakou, en Azerbaïdjan. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bonne suite de programme télévisé, bonsoir et à demain.